بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجع على اليوتيوب. دائما مع لي كور ديال الاناليز دو لو شابيتر ديال لي سيري نيميريك، اللي غنقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 3 من لا سيري نيميرو 1 اللي غتلقاو في لا باج فيسبوك بروف ناجي خالد. دونك ليكزيرسيس 3 كيقول اتودي لا كونفيرجونس دو لا سيري ديفيني بار لو تيرم جينيرال. هنا عطاونا لا ميثود اون كالكولون سا سوم، يعني اون فا calculer la somme de la série de termes généraux un est égal à arc tangente de 1 sur n carré plus n plus a tel que n supérieur ou égal à 0. À la barakatillah, on commence. Donc la série, il y a dit la série arc tangente de 1 sur n carré plus n plus a tel que n supérieur ou égal à 0. De terme général, un est égal à arc tangente de 1 sur n carré plus n plus 1. Donc la somme partielle Sn, la somme partielle Sn est égale U0 plus K de la série K 0 ici plus U1 plus U2 plus jusqu'à UN. Et la somme de la série S est égale la limite en plus l'infini de S, N. Tout d'abord, on doit simplifier le terme général. Donc, simplifier, simplification du terme général. On dira un petit rappel à l'arc tangente. Je vous rappelle que je fais S1 que l'arc tangente de A moins l'arc tangente de B est égal arc tangente de A, on a manqué de les parenthèses, de A moins B à la A à un fois plus A B, avec AB doit être supérieur strictement à moins 1. Donc voilà le rappel qu'on va utiliser. Maintenant, UN est égal arc tangente de 1 sur n carré plus n plus 1 qui est égal arc tangente de 1 sur n a manqué de factoriser par n, donc n facteur de n plus 1 plus 1. Si on pose il y a a, n et y a b, donc a est égal n plus 1, b non on pose, et b est égal à n, donc j'aurai a moins b qui est égal n plus 1 moins n qui est égal à les wada dénominateur, donc est égal, ici l'arc tangente de n plus 1 moins n sur a plus n facteur de n plus 1. On va utiliser donc le kitab, il y a arc tangente de a moins b sur 1 plus a fois b, c'est l'arc tangente, donc est égal arc tangente de n plus 1 moins l'arc tangente de n. Donc il y a un. Maintenant pour Sn, on a Sn est égal U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Bien sûr, le terme en avant, c'est
UN-1. Donc pour U0, c'est l'arctangente de 1. Et je donne à n la valeur 0, moins l'arc tangente de 0. Pour U1, il y a plus arc tangente de 2. Je donne à n la valeur 1. 2 moins l'arc tangente de 1. Plus, ainsi de suite, jusqu'à le dernier terme. Il y a arc tangente de n plus 1. Moins l'arc tangente de n. Et bien sûr, le terme l'irait qu'on est là, dial un moins a, c'est l'arc tangente. Donc, c'est un a plus, on va dire pointillé, plus l'arc tangente dial n, à fois de n, l'arc tangente de n. L'arc tangente de n moins l'arc tangente de n moins 1. L'un doit être les arcs tangentes opposés. Donc, on a dit moins l'arc tangente de 1, l'arc tangente de 1, l'arc tangente de 2, le terme là qu'on a. L'arc tangente de n moins 1, l'arc tangente de n moins 1, l'arc tangente de n, l'arc tangente de n. Donc, finalement, on a Sn est égal l'arc tangente de n plus 1 moins l'arc tangente de 0. Or, l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc, Sn est égal l'arc tangente de n plus 1. C'est-à-dire que, donc, S qui est égal à la limite de Sn en plus l'infini est égal la limite de l'arc tangente de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal lorsque n tend vers l'infini, l'arc tangente de plus l'infini, qui est égal pi sur 2. Donc S est égal pi sur 2. Donc la série est convergente puisque c'est un nombre fini. La série arc tangente de 1 sur n carré plus n plus 1, n supérieur ou égal à 0, est bien convergente. C'est une série convergente. Pour la somme de là est égale pi sur 2. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح وبسيط. كنتمنى من الإخوان أنهم يبارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالهم ومتابعونا على قناة الناجي خالد سيونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.